Good morning, allez Yiden, l'étude sera aujourd'hui le Lonishmat Movi Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman Nissim ben Ahuda, Sarah Batrana Rachel, Shlomo ben Esther, Richa Batrem Nechemia ainsi que Dirfuat Abraham, Uri ben Reut Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah connectée à 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Zvachim, Perekret Mishnah Gimel, Hacham Shenit Arev Bashlamim, Iru Acheistaevu. Rabbi Shimon Omer, Shnei Mishchatu Batzafon, Veyachelu Kechamur Shebahen. אמרו לו, אין מביאים קודשים לבית הפסול. נתערבו חתיכות בחתיכות, קודש קודשים וקודשים קלים, הנאכלים ליום אחד בנאכלים לשני ימים, יאכלו כחמור שבהן. On continue la Mishnah précédente, dans laquelle on évoquait la situation où des corbanotes se mélangent, des corbanotes d'espèces différentes. On avait appris dans la Mishnah précédente, tout d'abord, que lorsqu'on a deux espèces complètement différentes qui se mélangent. On avait rapporté le cas par exemple de Ola et de Shlamim. Alors là, on est bloqué. Pourquoi? Parce que là, Ola, ils se mélangent, donc ils se mélangent, on ne sait plus les reconnaître. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces corbanotes? En théorie, on pourrait très bien les égorger pour ce qu'ils sont, mais on a un problème technique. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Là, Ola, tous les membres de la Ola, il faut tous les faire monter sur le Misbéach. Ola, Kula, l'Hachem, elle brûle entièrement en l'honneur d'Hachem. Shlamim, elles sont consommées par une part par les Kohanim, une part par les Bnei Israël, une part par le... Alors qu'est-ce qu'on va faire avec les membres? De ce fait, la Mishnah précédente nous disait, tu sais ce que tu fais, il n'y a plus le choix, tu les laisses paître jusqu'à qu'il va y avoir un défaut qu'elles vont devenir invalides pour monter sur le Mizbéach, on va les vendre, on va récupérer leur argent et puis on va apporter un nouveau korban. D'accord? C'est pour la Mishnah précédente. Le but de notre Mishnah maintenant, on va faire... Comment on va réagir lorsqu'il va y avoir un mélange de deux corbanotes, certes d'espèces différentes, mais où on va pouvoir, il va y avoir un espace commun entre les deux de conduite à adopter, dans laquelle on va satisfaire tout le monde sans enfreindre personne. Par exemple, donc c'est le cas de Hacham, Shenita Arev, Bishlamim. Un corban Hacham qui se mélange avec des Shlamim. Un corban Hacham, alors il a la singularité d'abord... c'est un kodesh kodashim, donc il ne sera pas consommé par les Bnei Israël. Et la viande qui sera consommée, sera consommée par les Kohanim à l'intérieur de la Hazara. D'accord? Ça c'est Korban Hacham, en un jour et une nuit. Comme on dit dans le Pérec, de Ezoum et Koman Shezachim, Elohen Hachamot, Hacham Zelot, Vecholé, là-bas on a dit, qui a marqué, Nechalain, le Yom Valaila Adchatzot, et là-bas on a dit aussi les Zichrekuna, Bechol Machal, le Yom Valaila Adchatzot. Par les mâles Kohen dans l'intérieur de Lazare, interdit de les faire sortir. Ça, c'est pour le Korban Hacham. Korban Shlamim, lui, alors il est consommé pendant deux jours. Il est consommé aussi par tout le Am Israël, à condition de le manger à l'intérieur de Yerushalayim. Homme, femme, d'accord? Mais il est consommé dans tout Yerushalayim. La Mishnah maintenant va nous dire qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on va. Il va y avoir un mélange de Hacham et de Shlamim, dans la mesure où tu vas pouvoir te comporter avec le Shlamim. Avec les mêmes restrictions que le Hacham, et t'acquitter du devoir de Shlamim sans rien enfreindre. C'est-à-dire, le Korban Shlamim en théorie, j'avais deux jours pour le manger, je pouvais le manger dans tout Yerushalayim. À cause du mélange du Korban Hacham, peut-être qu'on va me dire, on va me permettre, on va me conseiller plutôt même de l'égorger tout de suite, et puis de donner toute cette viande en cadeau au Kohanim, que le Kohanim le mange à l'intérieur de la Hazara, dans le doute que c'est peut-être un Hacham. Quelle marche à suivre va-t-on préférer? Et il y a sur cela une discussion. Hacham shenita arev bishlamim. Un korban Hacham qui s'est mélangé avec des shlamim. Iro acheistaevu. Eh bien, Tanakama nous enseigne, il faudra les faire paître jusqu'à qu'il va y avoir un moum et donc les racheter et apporter avec leur valeur un autre korban. D'accord? Ça, c'est l'avis de Tanakama. Tandis que Rabbi Shimon, Omer, Rabbi Shimon nous dit non, aucun problème. Je ne comprends pas pourquoi il y a un problème dans cette situation. Tu sais ce que tu as qu'à faire? C'est vrai, c'est dans le doute que c'est peut-être un Hacham. Alors, va les égorger dans le Tzafon. Vous vous rappelez que la Hazara, elle est séparée en deux parties, la partie nord et la partie sud. C'est pour vous, c'est le contraire. D'accord? Ouais, on entre toujours en direction de l'ouest. On a sur le côté droit le Yerech HaMizbeach Tzafona, la partie nord, et de l'autre côté, le Ouyal Kevesh. La rampe pour monter, c'est la partie sud. Alors, on apprenait maintenant dans le périple de Ezoum et Koman Shelzvachim, on apprenait là-bas que tout ce qui est Kodesh Kodashim doit être nécessairement égorgé, abattu dans le Tzafon, dans le nord.
Tandis que ce qui est Kodesh Kodeshim Kalim, tous les autres Korbanot, qui ne sont pas considérés comme Kodesh Kodeshim, qui n'ont pas une supra glusha, alors on pourra les égorger dans toute l'enceinte de la Hazara. Rabbi Shimon vient et me dit, bon, certes, ton Shlamim s'est mélangé avec le Hacham. Donc, Shlamim Kodeshim Kalim, Hacham Kodesh Kodeshim. Ben, rien de grave. Prends-les tous les deux, va les égorger dans le Tzafon. Il n'y a rien de grave à égorger un Korban Shlamim dans le Tzafon. C'est grave d'égorger un Hacham dans le Darom, dans le Sud. Mais de prendre un Kodeshim Kalim et d'égorger dans le Tzafon, il n'y a en cela aucun problème, aucune contre-indication. Concrètement, au Betamidash, il le faisait comme ça. On ne va pas allonger dessus. Quand on apprendra Tamid, on expliquera pourquoi. D'accord ? Donc, va égorger-les dans le Tzafon. Donc, Shneem Ishachatou Batzafon. Va les égorger dans le nord, dans la partie nord de la Hazara. Et ils seront consommés, comme là, les restrictions du plus rigoureux, c'est-à-dire, sans le sortir de l'enceinte, du misbéar, de la Hazara, ils seront consommés que par les Kohanim, mâles, et pendant un jour et une nuit, et pas pendant deux jours, pas dans tout Yerushalayim, tout ça. La Khumra, tu sais pas quoi faire, mais dans le doute, tu prends la Khumra. Telle est la vie de Rabbi Shimon. Khamim lui ont rétorqué dans Amrulo. En mevin kodashim le bet absoul. Je ne suis pas d'accord avec ta solution, Rabbi Shimon, parce qu'il y a un interdit de provoquer le fait que des kodashim, que des animaux sanctifiés, vont se retrouver au bet absoul. Je m'explique. C'est très simple. Le bet absoul, d'abord, c'est le fameux endroit à l'extérieur de Yerushalayim où on partait brûler tous les korbanot ratés. D'accord ? Korbanot ratés, il fallait sortir. Il y avait un lieu à l'extérieur de Yerushalayim. Là-bas, on partait, on brûlait tous les restes des korbanot qui avaient été ratés. Là, imaginez le problème qui va se poser concrètement. On a dit qu'un shlamim, il a deux jours pour être consommé, alors que le hacham, il a un seul jour. Qu'est-ce qu'on fait? C'est maintenant, les deux se sont mélangés. Bon, alors on a dit qu'on va se comporter avec les chumrot du hacham. Hein. Les chumrot du hacham, un jour, une nuit, à l'intérieur de Lazara et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait si toutefois ça a traîné quelques heures, et le petit matin il est arrivé, il nous reste de la viande. Tu vas me dire d'aller les brûler? Mais tu te rends compte? Peut-être que c'est en réalité des shlamim. Et qu'ils sont concrètement, que tu as le droit encore de les consommer? Idem, si par exemple on les a fait sortir, un Kohen étourdi, il a pris ça, il l'a fait sortir de la Hazara. Si c'est un sham, c'est devenu invalide, il faudra aller le brûler. Mais si c'est un shlamim, c'est kasher, il n'y a aucun problème tant que tu es encore dans les parois, dans les murailles de Yerushalayim, c'est kasher. Alors qu'est-ce que tu me dis toi, Rabbi Shimon, d'appliquer toutes les restrictions du shlami, du hacham, c'est pas une bonne solution ton histoire. Ça va nous causer des problèmes dans le cas où le korban va être en réalité les kasher et on va se comporter avec lui comme si il était pas saoul et à cause de ça on va aller le brûler. En mevin kodashim le bet absoul. A priori, on préfère esquiver la situation d'avoir à amener des kodashim au bet absoul. D'accord? Deuxième partie de la Mishnah maintenant, c'est le même principe, mais cette fois-ci où tout le monde est d'accord, c'est bien plus simple. Nitarvu chatichot ba chatichot. À présent, on ne parle plus de korbanot vivants qui se mélangent. Une fois qu'on a fini de les égorger, de faire la shrita, kabbalah, olacha, zrika, on a commencé à les sectionner et tout ça, et à partager les parts comme il fallait, il y avait deux plateaux. Un plateau où il y avait la basse-côte du shlamim, et l'autre plateau où il y avait la basse-côte du hacham. Et à un moment d'étourdissement, on les a embrouillés. Qui est le hacham, qui est le shlamim? Qu'est-ce qu'on fait? Nitarvu chatichot ba chatichot. Il y a eu un mélange de morceaux qui s'est mélangé avec d'autres morceaux. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, cette fois-ci, par exemple, si c'était Kodesh Kodashim, Bekodashim Kalim, si c'était des Kodesh Kodashim qui se sont mélangés avec des Kodashim Kalim, comme on a pris le cas par exemple d'un Hacham et d'un Shlamim, ou encore Ane Echalin Le Yom Echad, Ben Echalin Le Yishne Yamim, ou encore des Korbanot de même niveau de Gdusha, mais dont l'un est consommé durant un jour et une nuit, et l'autre deux jours et une nuit. Ouais, par exemple, un korban toda, il est consommé en un jour et une nuit, et shlamim, il est consommé en deux jours et une nuit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la Mishnah me dit cette fois-ci, « Yachelu kechamur shebahe » Là, même d'après Chachamim, t'as plus rien à faire, maintenant t'es bloqué. « Vadaï, vadaï » qu'on va te dire de les consommer selon les restrictions rigoureuses du plus strict des deux. Et comme ça, tu vas t'acquitter de tout. Et dans le cas où il y a eu un problème, eh bien, ma foi, on les fera sortir au bet absoul, on aura été bloqué. D'accord? Tout ce que Chachamim ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec Rabbi Shimon, c'était parce qu'a priori, tu as une autre solution de laisser paître les moutons lorsqu'ils sont encore vivants, mais lorsqu'ils sont déjà, ils ont déjà été égorgés et que tu n'as plus le choix, vadaï, vadaï, qu'il faudra suivre les restrictions du plus ramour. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Shabbat Shalom, et un Chag Shavuot Sameach.
plein de Hit'alout de Torah et que Shavuot est considéré dans les Sefer Mekdoshim, c'est rapporté, c'est le Yom Adin Shel Torah. Si on s'investit à ne pas dormir pendant tout Shavuot et à étudier la Torah sans parler de futilité, de rester concentré, Hachem, il nous ouvre la tête, il nous ouvre le cœur à sa Torah, à ce qu'on comprenne encore mieux, Bezant Hachem, pour l'année prochaine. Je vous souhaite à tous de bien sauver votre temps. Et Kol Tuv Sela.